Internet, il en a parlé en 1954. Les téléphones portables, les moteurs de recherche, il les a décrits en 1955 dans son roman « Le nuage de Magellan ». Non, ce n'est pas un Philip K. Dick ou Isaac Asimov, mais Stanislas Lem, un auteur de SF polonais, beaucoup moins connu, mais tout aussi visionnaire. Bienvenue à Varsovie, au centre des sciences Copernic, le temple de la technologie et de la robotique, un lieu pop et ludique qui aurait certainement plu à Stanislas Lem. Dla mnie to miejsce jest trochę pewnego rodzaju takim hołdem dla tego typu myślenia, jakie reprezentował Lem, czyli myślenia bardzo otwartego, myślenie bez granic. Lui, c'est Michal Milczarek. Il n'est pas chercheur, encore moins scientifique. Le truc de Michal, ce serait plutôt la musique expérimentale. Son aventure avec Lem commence en 2021 avec son projet Future On, adaptation sonore du recueil de nouvelles La Sibériade, œuvre majeure de l'écrivain, publiée en 1965. La Sibériade met en scène les aventures épico-surréalistes de deux as du bricolage cosmique, Trurl et Klaposius. Ils voyagent de planète en planète et rivalisent d'ingéniosité en construisant des machines invraisemblables. Robots fiancés, des robots oiseaux et même des robots qui se rebellent contre leurs concepteurs. À l'heure où les IA ne semblent pas trouver de limites, l'imaginaire de Lem se confond avec notre présent. Mais comment Lem en est-il arrivé à imaginer ce monde-là ? Fasciné par les sciences depuis ses études de médecine, grand lecteur d'Einstein et amateur de robotique, il embrasse une carrière littéraire en imaginant des mondes futuristes pleins d'humour absurde et onirique. Kiedy czytam Lema, mam wrażenie, że ilustracje do jego książek mógł namalować René Magritte albo Salvador Dali. Sans être Magritte ou Dali, Lem aimait aussi dessiner ses inventions pour illustrer ses écrits. L'album Future On puise directement dans cette veine surréaliste. Mais avant d'influencer des musiciens, Lem a aussi inspiré des cinéastes. En 1961, son roman Solaris lui vaut une renommée mondiale et de nombreuses adaptations. À commencer par le cultissime film d'Andrei Tarkovsky, sorti en 1972. Solaris est une planète éloignée, couverte d'un océan intelligent, qui crée des illusions, des rêves et des cauchemars dans l'esprit des humains qui l'ont exploré. Comme une dénonciation des dangers de notre réalité virtuelle. Mam wrażenie, że literatura ta, to znaczy science fiction, może nam dostarczyć pewnych innych walorów, mianowicie w zakresie intelektualnym, racjonalnym przede wszystkim, mianowicie jako twórczyni pewnych nowych pojęć, pewnych nowych wyobrażeń, pewnych nowych koncepcji, które umożliwiają, jakby to powiedzieć, no, uelastycznienie myśli ludzkiej, która musi się parać z wciąż nowymi problemami w nieustannie zmieniającym się świecie. Traduit dans une quarantaine de langues et vendu à près de 30 millions d'exemplaires, les fresques dystopiques de Lem infusent la pop culture. Will Wright, concepteur de jeux vidéo, a été influencé par la Sibériade pour imaginer l'univers de la série SimCity, dont le but est de développer et de préserver un monde miniature. En 2023, c'est son roman L'Invincible, publié en 1964, qui fait l'objet d'une adaptation XXL en jeu vidéo. Uh-huh. They made their way through with a beam of antimatter. Lem to dla mnie nie jest tylko ten science fiction rozumiany, rozumiany przez pryzmat Gwiezdnych Wojen, Galaktyki. To jest także coś więcej. Et t'as une citation préférée qui illustre ça? Mam, tak. Opowiadanie kończy się w taki oto sposób. Na oczach poczerniałych ze wstydu i wściekłości królów oba wojska chrząknęły, wzięły się pod ręce i poszły na spacer, zrywając kwiaty pod ciągnącymi chmurami na polu niedoszłej bitwy. Cette pirouette de fin optimiste reflétant l'espoir de paix de Lem appartient-elle à notre futur? Dans un monde plus polarisé que jamais, rien n'est moins sûr.